Bonjour David, merci de m'avoir invité. Très heureux d'être ici aujourd'hui. C'est un plaisir, merci d'être là. Jean-Marc, tu es vice-président stratégie et produits à La Presse Plus. S'il te plaît, présente-nous un peu, c'est quoi ton rôle à La Presse Plus? Ah, super bonne question. Alors, il faut voir un peu comme la façon la plus facile peut-être de décrire ce que je fais, ou ce que je fais depuis 2003 à La Presse. Je dirais que c'est agent de changement. Alors, je suis un peu, j'ai eu la chance d'être la bougie d'allumage derrière le projet qui a donné naissance à La Presse Plus. Puis, il faut comprendre que l'application La Presse Plus, c'est beaucoup plus que juste une nouvelle application. C'est la transformation complète de l'entreprise. Et dans le fond, c'est ce projet-là qui a projeté La Presse dans l'univers des applications. Alors, les applications sont développées chez nous, mais tous les outils, les systèmes aussi. Alors, c'est un peu mon rôle, dans le fond, c'est s'assurer qu'on fabrique les bons produits, les bonnes applications pour, en lien avec notre mission et le marché et les utilisateurs. Ce qui m'a amené à être conférencier, David, c'est vraiment que, j'ai réalisé que les défis que La Presse a eus, les défis, un peu comme si on était le canari dans la mine, là, on était les médias très confrontés à la vitesse du changement. Et c'est des apprentissages qu'on a faits, qui ont été douloureux même, qui peuvent aider à peu près toutes les entreprises. Alors souvent, on nous approchait comment vous avez réussi La Presse, et ainsi de suite. Au début, je pensais que c'était des problèmes particuliers à La Presse ou particuliers aux médias. Et à force d'être sollicité par des entreprises, parce que de comprendre leurs difficultés, leurs challenges, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui sont communes à toutes les entreprises présentement au Québec. Et c'est, j'essaie, d'aider les entreprises à accélérer leur apprentissage, à peut-être vivre ça moins difficilement qu'on l'a vécu et à accélérer leur transformation pour leur réussite dans le futur. Et si je comprends bien ces présentations-là, quand tu fais une conférence, tu adaptes autour de ces sujets-là. Tu peux faire d'autres sujets aussi? Absolument. Ben, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai eu des gens, exemple, dans le monde de la construction, qui ont des défis d'innovation présentement avec les nouvelles technologies qui arrivent. Des gens fruits et légumes, des gens dans l'industrie agroalimentaire qui ont des défis d'alimentation ou de création de nouveaux produits. Donc, dépendamment où vous êtes rendu, où est votre défi? Des fois, le défi, c'est au niveau du leader de définir sa vision, définir sa problématique. Des fois, celle-là est claire, c'est de mettre en marche l'environnement, embaucher les bonnes personnes. Donc, dans cet environnement-là, par exemple, tu vas choisir les aptitudes vont venir après l'attitude, parce que la capacité de collaborer, d'apprendre est plus importante. Alors, peut-être qu'il est là votre défi sur comment je m'entoure des bonnes personnes ou qui choisir pour commencer mes premiers pilotes ou mes premiers projets. Ouais. Alors, dépendamment de où est rendue l'entreprise dans ces différents défis, est-ce que c'est un défi de management, de vision, de ressources, de mise en route d'une compréhension commune et partagée ou de test ou de prototypage ou de gestion d'un pipeline d'idées, je m'adapte puis je fais les modules pour que ça fasse vraiment avec vos besoins. Jean-Marc, merci beaucoup. En fait, effectivement, l'innovation, c'est important. C'est pour ça qu'on a créé d'ailleurs Horizon Plus, qui vous permet de choisir vos conférenciers et de vous former. Merci Jean-Marc. Merci David.